Okay. Hello, everyone. Thank you for joining us today. Merci. Très bien. Merci d'être des nôtres aujourd'hui pour commencer. Je vais donner quelques annonces d'ordre pratique. D'abord, nous avons l'interprétation en anglais et en français. Vous allez cliquer sur l'icône qui indique interprétation en bas de votre écran. Je vais maintenant parler en français pour les francophones. Elles seront traduites pour les panélistes et le reste de l'audience. Nous vous invitons à poser des questions aux membres du panel à tout moment pendant cette réunion. Vous pouvez également utiliser le question-réponse en bas de votre page. Nous allons consacrer quelques minutes aux questions-réponses. Vous pouvez utiliser le chat pour communiquer avec tous les participants, mais il faut être conscient du fait qu'il y a des questions qui pourraient nous échapper. Donc, nous vous demandons de rester pertinent. Vous ne pouvez contacter que les participations en qui nous avons en confiance. Nous allons partager la séance sur YouTube. Et je vais maintenant demander au modérateur à Yves Asekoni et l'université, et un professeur de sciences économiques à l'université. Et il est membre du PEP. Il est également conseiller en ce qui concerne la recherche économique pour la région de l'Amérique latine. Donc, Lucas, vous avez la parole si vous êtes prêt. Merci, Marjorie. C'est pour moi un grand plaisir que de pouvoir participer à cet événement organisé par PEP. Et le CREIA, tout de suite après la crise de 1990, de 2019, PEP a commencé à travailler sur la politique qui permettrait d'alléger la crise. Il ne s'agit pas seulement de la recherche de haut niveau, mais recherche qui pourrait avoir un impact sur les personnes qui vivent dans les zones où ils sont vulnérables. On a une année s'est déroulée depuis l'inauguration de ce programme et le moment est venu pour nous d'apprendre, de tirer des enseignements de cette expérience et nous allons organiser une série de webinaires. Aujourd'hui, il s'agit de la première étape et nous allons mettre l'accent sur les politiques qui ciblent les bénéficiaires. C'est un problème important pour nous et nous avons un excellent groupe de chercheurs qui vont se pencher sur cette question. Je vais les présenter très brièvement. Habiba Chemeles, c'est le directeur de la recherche au CREIA et Diplôme Abeille est un chercheur à l'Institut de la recherche internationale sur l'alimentation. Lucas Lacone est professeur à l'Université de Plata en Nigeria, en Argentine. Et c'est Guy Jebrekidan, je m'excuse pour la prononciation, est coordonnateur au Centre des études de développement humain en Éthiopie.
C'est un institut de recherche en éthiopie. Je vous remercie d'être là. Je vais commencer par... je vais poser les questions suivantes à Jorge et Segaï. Quelles étaient les premières réponses d'ordre politique qui ont été mises en œuvre dans votre pays et si ces politiques réponses visaient une souche particulière de la population? Est-ce que vous m'entendez, Lucas? Oui. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier Lucas pour m'avoir présenté. Je voudrais également remercier Marjorie pour m'avoir invité à participer à ce webinaire. Je suis de l'Argentine. Nos scientifiques font du travail. Pour passer à votre question, Lucas, il y a eu un problème en Argentine, tout comme dans les autres pays, il y a eu un problème économique et le gouvernement a enfermé tout le pays pour pouvoir arriver à un chiffre de 20% de baisse. Cela représente 1 million de plus de personnes pauvres et cela a posé une question. Oui, la réponse c'est oui, il y a eu un certain nombre de réponse d'ordre politique à la crise. Je vais parler d'une ou deux de ces réponses. On doit garantir l'accès à revenus pour certaines familles. Donc, ici, on a eu une urgence, une réponse urgente pour ceux qui sont à revenus bas et cela représente à peu près 10 000 pesos, cela représente 120 dollars. La protection sociale également a été renforcée. Les bénéficiaires de ces programmes avaient des paiements. C'est ce que nous appelons la réponse universelle et les retraités également ont touché de l'argent pour faire face à la crise. En plus de cela, le gouvernement a soutenu la production parce qu'on a connu un déclin de production. Il y a un programme qui, ici, nous avons un programme qu'on appelle ATP. Et grâce à ce programme, le gouvernement argentin aide les employés. Toutes les mesures ont impliqué à peu près 20% du PIB et donc nous avons eu des réponses d'ordre politique et nous avons visé certains bénéficiaires, bien évidemment. Merci. Merci, Jorge. Tegay, vous avez la parole maintenant. Je ne l'entends pas. Il n'a pas allumé son micro. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup pour l'occasion qui m'est offerte de faire partie de ce panel. Je vais me baser sur l'étude de cas de compétence sur l'Éthiopie et les résultats. La réponse générale en Éthiopie a consisté en
confinement et on a pu sensibiliser le public à ces les mesures qui doivent être payées. On est passé par les institutions, les banques et une sensibilisation qui passait par le téléphone, par d'autres moyens. Il y a eu quelques interventions bien spécifiques, c'est-à-dire donner priorité aux couches de la société qui ont été affectées, comme par exemple l'industrie hospitalière et d'autres secteurs encore. Il y a ceux qui ont voulu changer la production normale pour passer au PPE. Et pour produire les PPE. Autre chose qui a changé, ce sont les initiatives qui visaient de sauvegarder les emplois. Il y a des initiatives qui ont été appuyées par les bailleurs de fonds ou ont donné de la protection. Donc, ceux qui sont affectés, hautement affectés par la pandémie, il y avait les subventions au salaire, mais la portée était très limitée. Et comme vous savez, la plupart des secteurs de l'économie éthiopienne, c'est de secteurs informels. Donc, on a demandé à ceux qui étaient affectés de faire leur demande en ligne. Donc, le ciblage n'était pas bien fait. Autre intervention, c'est le programme de production qui était là depuis 2005, donc il ne s'est pas agi d'une réponse au COVID-19. Donc, les bénéficiaires ont reçu leur paiement à l'avance. Il y avait également, lorsque la pandémie a éclaté, on a donné l'avance à ces personnes et cela leur a permis de faire face aux effets de la pandémie. Merci, Tchegaï. La question de l'informalité est une question émergente. Et nous allons pouvoir revenir sur cette question. Je vais demander à Jorge, sur quoi est-ce que vous avez mis l'accent dans votre étude et comment êtes-vous arrivé à identifier cela comme une priorité qui demandait une intervention d'ordre politique? Merci, Lucas. Oui, donc... Tchegaï a très brièvement parlé de notre étude, mais je vais très rapidement parler de ce sur quoi nous avons mis l'accent dans notre projet, dans l'étude de cas de l'Éthiopie. Ce que nous avons fait, c'est que nous voulions quantifier l'impact du COVID-19 sur le ménage éthiopien. Nous voulions quantifier le programme qui avait été adopté par le gouvernement. Donc, voilà le projet principal qu'il y a eu en Éthiopie, c'est ce sont les priorités qui intéresseraient le gouvernement après le choc du COVID-19. Quand vous vivez et vous êtes témoignage des chocs de l'économie sur les ménages, la première chose que le gouvernement ferait, c'est de comprendre l'ampleur de l'impact et qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à cela. Et nous nous posons cette question dans notre projet. Nous voulons quantifier l'impact sur différents ménages et qu'est-ce qu'on peut faire
en ce qui concerne les priorités et l'introduction de des politiques de protection sociale. Donc, nous voulons identifier l'impact sur les ménages de cette pandémie du COVID-19. Alors, je pourrais très brièvement parler des résultats auxquels nous avons abouti. Les résultats principaux, c'est que il y a eu une augmentation de 2 à 3 pourcentages. Ça veut dire qu'il y avait un nombre élevé de personnes qui passaient au-delà du seuil de la pauvreté en Éthiopie. Et je pense que cela étant, nous essayons de quantifier les bénéfices du programme qui a été adopté et nous avons découvert que le programme a sauvé à peu près 1 million de personnes de ce déclin dans la situation de pauvreté. J'espère que ces résultats vont apporter une contribution à l'élaboration de la politique publique qui vise l'impact de la pandémie. Je veux m'arrêter là et puis je vais pouvoir répondre aux questions qui vont se poser. Merci, Jorge. Merci, Lucas. Notre étude a visé l'impact que le COVID-19 avait sur l'emploi, le revenu. Nous pensons qu'au début de la crise, cela était très important parce que il y avait dommages causés sur l'Argentine et par le COVID-19 et quelle est la politique qui a été adoptée et quel était l'impact de la politique en question. Nous avons vu l'impact sur le bien-être des ménages et aussi l'impact sur l'emploi. Nous avons utilisé beaucoup d'informations liées aux sponsors du gouvernement. Nous avons commencé sur la base de l'hypothèse qu'il y a eu détérioration de l'économie de l'Argentine, mais les réformes d'autres politiques avaient un effet négatif. Alors, voilà comment notre résumer, notre recherche a confirmé ces hypothèses et la question des bénéficiaires a été cruciale et aussi le succès qui consiste à cibler les ressources publiques était très important. Alors, le montant des ressources que le gouvernement dépensait pendant cette période de crise, c'était important pour l'élaboration de la politique. Alors, nous avons interagi par des personnes qui étaient au ministère des Finances et ils étaient intéressés par où se trouvaient les bénéficiaires de cette réponse d'ordre politique. Nous nous sommes intéressés à la question du genre et ils étaient très intéressés par le ciblage de la politique publique. Alors, ils étaient en train d'élaborer une politique et ils cherchaient à appuyer les enfants des milieux pauvres. Nous avons procédé à une analyse et plus précisément, on avait une
ségrégation en fonction de l'âge. Donc, nous avons élaboré ce matériel et nous avons eu des débats sur ces questions. Et donc, dans notre cas, en ciblant la distribution des bénéficiaires et aussi combien, quel était le niveau d'efficacité de cette intervention politique. Et voilà ce que je peux dire pour ce que nous, sur ce que nous avons fait. Je crois que les points soulevés par Liflan pourraient avoir un impact sur la politique. Et donc, la qualité de la vie des personnes, des habitants de nos pays, il faudrait commencer très tôt avec les décideurs politiques. Donc, il faudrait travailler de manière coordonnée. La réussite sera limitée. Je vais demander à Biba. Alors, je vous pose la question suivante. Qu'en est-il de la communauté africaine du consortium? Quelles sont les réponses d'ordre politique? Merci beaucoup, Lucas. Le CREIA est très heureux de pouvoir participer et faire partie de ce panel. Nous apprécions beaucoup le travail qui est fait par notre institution sœur PEP. Je dois dire que je suis très reconnaissant pour cela. Et nous avons voulu nous pencher sur les priorités d'ordre politique et nous pensons que nous avons trouvé moyen de lutter contre la pandémie et aussi de recouvrer de l'impact de la pandémie. Nous évaluons l'impact sur la pauvreté dans 5 pays en Afrique, mais nous menons une étude des institutions qui financent la santé en Afrique et nous pensons qu'ils demandent à être restructurés pour pouvoir faire face à de telles pandémies en avenir. Nous examinons également l'impact du COVID-19 et quel est l'impact à long terme, notamment l'impact intergénération. Voilà les questions de recherche qui nous intéressent en ce moment. Je dois dire également, nous mettons l'accent sur la différence du genre. Nous examinons également l'impact psychosocial, notamment la façon dont cela affecte les femmes et les expériences vécues par les individus. Juste pour résumer de mon point de vue, quelle serait la meilleure priorité d'ordre politique? Est-ce que les décideurs politiques s'ils avaient réagi différemment à cette pandémie, est-ce que le résultat aurait été différent? Et est-ce que cela aurait réduit l'impact sur le bien-être? Lorsque nous examinons les politiques et voir que les mesures qui ont été prises comme le confinement, est-ce que cela a conduit à une réduction de la pandémie? Nous pensons que oui, mais la chose la plus importante, c'est que ce n'était pas le confinement qui a eu cet effet, mais plutôt les politiques qui visent la sensibilisation de la société.
Il faudrait que le gouvernement puisse indiquer comment le virus se propage et les pays en voie de développement, les pays développés ont une certaine façon de faire les choses, mais en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On les suit. Alors, il y a également la question de l'isolement, tout ceci. Est très important pour l'Afrique. L'impact le plus important, c'est le renforcement de la capacité du gouvernement et puis la capacité du gouvernement de communiquer une information fiable au public. Pour ce qui est de l'impact sur l'économie, je pense que nous le savons tous que lorsque on était dans le confinement, il y a eu une baisse de 5% du PIB. Ça, c'est très important. Et dans 10 pays africains, les pertes d'emplois, le revenu en ce qui concerne l'emploi, c'était très important. Et donc, c'est que nous conseillons, c'est que les gouvernements devraient avoir des stratégies multiples et ce qui marche pour leur contexte. Il faudrait qu'on mobilise le public pour qu'il puisse se conformer aux mesures qui sont prises. Voilà ce que nous avons trouvé, si vous le permettez, en ce qui concerne le recouvrement. La plupart des gouvernements ont pris des mesures difficiles. Donc, beaucoup de pays sont confrontés à un endettement assez élevé, mais la plupart des problèmes, il y a la question de la perte permanente de l'emploi. Je pense que je vais pouvoir répondre à cela suite à la question suivante. Merci, Habiba. Beaucoup de commentaires intéressants. Et je pense que pour avoir des solutions locales, il faut avoir des chercheurs locaux. C'est une chose importante. Je parle à Kiprom Habiba Horé. Avoir
que vous avez besoin d'un ciblage pour pouvoir pour pouvoir atteindre les foyers les plus en besoin pour sauver la vie et le gagne-pain. Donc voilà, on peut dire que ce sont les justifications larges pour lesquelles on devrait avoir un mécanisme de ciblage juste et efficace. Néanmoins, le ciblage est malheureusement très difficile et c'est une tâche vraiment difficile dans la région dans laquelle nous opérons, sur le continent africain. Les données d'administration, les données de haute fréquence ne sont pas disponibles. Et à cause de cela, la plupart des programmes des guillages se prêtent à l'exclusion. Donc, vous devez exclure des gens qui n'ont pas qui n'ont pas droit et inclure les personnes qui en ont droit. Donc, un ciblage juste et censé minimiser les erreurs. Et quand nous allons revenir à ce que nous avons fait pour évaluer l'efficacité du ciblage des bénéficiaires dans la situation en Éthiopie, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pensé qu'on allait mettre en place une situation idéale, une situation qui nous permettait d'être sûr du fait que les personnes que les personnes étaient ciblées vraiment à perfection et que les programmes n'allaient atteindre que les populations qui en avaient besoin. Et puis après, nous avons simulé l'impact de cela en termes de gens, les empêcher de glisser dans la pauvreté. Ce dont nous nous sommes rendus compte, c'est qu'en améliorant le ciblage, l'efficacité du ciblage du programme, nous avons pu sauver des personnes additionnelles, des millions même, des personnes, juste en améliorant le mécanisme de ciblage de nos programmes. Bien sûr, on ne peut pas parler de quelque chose qui est facile. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je pense qu'il y a de la place pour l'amélioration en ce qui est du ciblage, du programme de ciblage pour pouvoir atteindre beaucoup plus de cibles en ce qui est de la réduction de la pauvreté. Alors, voilà, on sait qu'il y a de notre projet. Alors, je vais maintenant parler des perspectives d'avenir. De quoi avons-nous besoin dans le contexte africain? Comment est-ce que nous pouvons améliorer le ciblage de la politique et des protections sociales? Et je me dis, une idée, c'est que une idée qui est acceptée par beaucoup de chercheurs, c'est qu'il est nécessaire d'aller vers des cibles qui répondent au choc, c'est-à-dire les cibles qui peuvent réagir au choc et aux pandémies émergentes. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, comme tu l'as dit. Cela veut dire aussi que nous devons aller de ce que nous appelons la façon statique de cibler. Nous devons avoir un ciblage dynamique, un ciblage qui tient compte pas simplement de la pauvreté chronique, mais tient compte aussi de la vulnérabilité au choc. Et donc, traditionnellement, la protection, la politique de protection sociale visait à éviter ce qu'on appelait la pauvreté chronique, mais cela ne voudrait pas dire que ce type de cibles, que ce type de politique était efficace pour s'adresser à des pandémies. Si donc nous voulions avoir des politiques et des stratégies de ciblage qui pouvaient aussi servir, qui pouvaient aussi s'adresser aux impacts de la pandémie, il fallait avoir ce que nous appelons des cibles qui répondent, des stratégies qui répondaient au choc et les stratégies de politique sociale qui réagissaient au choc. Alors, je m'en arrête là et je reviendrai là-dessus si le temps me le permet. Avant de donner la parole à vous, à Bébé. Alors, permettez-moi de dire une chose pour refléter ce qui a été dit par M. Kibrom. Nous voulons savoir si l'exclusion et l'inclusion, les angles d'inclusion et d'exclusion, est-ce que cela s'explique par manque d'informations, par manque de compétences techniques de la part du gouvernement? Est-ce qu'il y a une dynamique politique et économique? Ce serait bien plus
complexe. Mais on va y revenir. Bébé, à vous la parole. Alors, merci beaucoup. Vous savez, la première question, c'était de savoir est-ce que vous avez aussi besoin de politique, de protection sociale dans les circonstances actuelles. Et si vous regardez ce qui s'est fait dans les gouvernements, au moins basé par sur les données auxquelles j'ai pu me référer, les vacances fiscales ont consommé énormément d'argent du gouvernement. Et le fait que le gouvernement devait aussi payer le salaire pour les travailleurs, il a aussi des subventions. Et parfois, il y a aussi des gouvernements qui ont fait des interventions ciblées au Kenya, par exemple. Et la raison pour cela est que les gouvernements ont trouvé que cela était très difficile de cibler un programme de protection sociale pour les mêmes raisons qui ont été soulevées par Kibrom, dont il a parlé en Créteil. Donc, en principe, je pense que nous sommes tous d'accord. Ceux qui en ont le plus besoin, les plus vulnérables de la population devraient avoir l'appui et être accompagnés pendant ces temps très difficiles. Le problème, c'est comment les identifier, mais aussi combien est-ce que vous allez leur offrir, quelles sont les sommes que vous allez donner, quelle est la quantité d'aide que vous allez donner pour démontrer le problème. Il y a un document qui a été préparé par des chercheurs sur comment on pouvait s'assurer que 75% allait vers les familles les plus pauvres. Et alors, si vous voulez réduire la malnutrition, et si vous ne ciblez que les pauvres, vous allez rater presque 75% des personnes qui sont, et ça dépend de la distribution des provinces. Autre chose, c'est, et au moins basé sur l'expérience, quels sont les véhicules dont devrait se servir le gouvernement? Je me dis que la société civile, les organisations confessionnelles sont beaucoup plus, en lieu d'identifier les plus pauvres. Nous avons vu cela partout sur le continent, où les gens, pendant les temps difficiles, où est-ce qu'ils ont trouvé de l'aide dans certains pays. Ça vient de la mosquée, de l'église, et parfois il y en a qui disent des familles, ainsi de suite. Et donc, les transferts interpersonnels et intercommunaux sont des véhicules dont pourrait se servir le gouvernement en allant de l'avant. Comment est-ce qu'ils peuvent les accompagner? On sait qu'il y a de pouvoir atteindre les plus pauvres, les plus vulnérables, parce qu'ils possèdent beaucoup plus d'informations sur la communauté, ainsi de suite. Et dans ce cas, je pense qu'autre problème que je voudrais soulever, c'est que quand on parle du coût d'appuyer les pauvres, on sait qui est de les aider. Les gouvernements africains sont en mesure de. Je pense qu'il y a des estimations qui démontrent que s'ils dépensaient entre 2 et 3% du PIB, ils pouvaient vraiment couvrir les groupes les plus vulnérables. Le seul problème, c'est que cette ressource-là, que les ressources dont les gens ont parlé, s'il n'y a pas le bon ciblage, il y a des fuites et donc cela n'aura pas d'effet. Et donc, il faut trouver des moyens innovateurs de pouvoir atteindre les groupes les plus vulnérables. Je pense que ce serait plus efficace. Merci. Merci, Abeba. Abebe. Ok, essayez d'être bref, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Merci beaucoup, Lucas. Malgré la recherche que nous avons faite, je pense que la réponse, c'est du sens commun.
en tenant compte que pour réduire la crise et la réaction de la politique doit être trouver les personnes qui souffrent le plus. Donc, à cibler la population est très importante quand on est en train de conceptualiser la réaction des politiques. Donc, vous avez besoin d'un bon ciblage parce que c'est la clé qui va défaire le dommage sur l'économie. Mais comme Kibrom vient de dire, la mise en application de la politique, de la réponse politique et le ciblage, c'est difficile. Il y a énormément de défis, comme Lucas vient de dire. Vous parlez de l'exclusion, de l'inclusion et... Vous devez avoir des ressources pour pouvoir atteindre ces bénéficiaires. Donc, plus de 10 millions de personnes ont reçu une sorte d'accompagnement du public et 9 millions ont ressenti l'impact. Et quand nous avons interagi avec eux, ils ont, la question la plus importante était de savoir comment ces bénéficiaires étaient distribués tout au long de la ligne de revenus. Et dans notre recherche, nous avons démontré que les travailleurs qui font la plupart du temps en Argentine, 50% des bénéficiaires, c'était... élevé sur la ligne des revenus. Alors, quels sont les critères d'éligibilité? Et nous avons parlé des travailleurs informels, des personnes qui ne sont pas employées, des gens qui gagnent peu d'argent. Et ici, en Argentine, Sigay a parlé 40% de la population travaille dans le secteur informel. Et les travailleurs informels produisent vraiment la plupart de l'économie. Donc, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par d'autres, par Kibrom et par Tsegaï, le rôle de la politique et comment il faut cibler la population. Et notre recherche basée, nous n'avons pas eu de preuves pour pouvoir montrer cela. En Argentine, on peut voir la réponse ciblée. Le ciblage n'était pas parfait, comme Sigaï vient de dire. On sait qu'il y a du lien. C'est une étude, bien sûr. Mais il y a eu des fuites par les fonds de retraite, de la réponse de la politique, comment ils devaient cibler les bénéficiaires. Mais merci, Roger. Nous avons parlé à une question que je vais poser à Sigaï, à Kibrom. Quels sont les défis d'avenir pour le gouvernement? Quels sont les défis d'avenir? Ah, merci beaucoup, Lucas. Comme Abeba Kibrom ont dit, le défi principal, c'est l'espace fiscal limité dans la situation de l'Éthiopie. C'est exacerbé par la guerre qui ramène la réallocation des ressources et une décroissance dont l'appui par les bailleurs de fonds vers le pays. C'est vraiment un défi important. C'est le défi, c'est le même défi dans beaucoup de pays en Afrique, surtout en Afrique. Autre défi, vous savez, dont nous avons eu à parler, c'est le secteur informel. Cela veut dire que le ciblage devient extrêmement difficile. La plupart des noms d'intervention ont été basées sur des activités ad hoc ou la situation est évidente. Par exemple, quand on a vu le confinage, l'industrie de l'hospitalité était affectée, c'était visible, donc le gouvernement a essayé de les accompagner. Mais d'autres secteurs, par exemple dans les zones rurales, qui étaient affectées aussi par le fait que la chaîne de production a été dérangée. Et ces zones-là n'étaient pas ciblées par le gouvernement. Donc le fait que la plupart des secteurs en Éthiopie, surtout dans les régions rurales, presque 90% des secteurs, ce sont des secteurs agricoles, l'emploi est informel. Et c'est là vraiment, c'est un défi très important en allant de l'avant. Et dans d'autres
d'une autre façon, comme Mark Brom avait dit. Il avait parlé d'une façon proactive, qui serait vraiment crucial que la communauté, l'appui intercommunautaire, l'appui aussi interpersonnel, c'est une façon de s'en sortir. Et donc, l'informalité et dans l'ensemble, les problèmes de capacité, les problèmes d'accès aux données pour pouvoir faire le ciblage comme il faut. C'est un défi crucial en Éthiopie, mais je crois que c'est un problème qui s'applique dans beaucoup de pays. Et donc, un espace fiscal limité, l'informalité manque de capacité, on sait qui est du bon ciblage. Merci. Merci beaucoup, Tsegaï. Okay. Oui, merci beaucoup, Lucas. Les défis clés de notre point de vue, c'est les considérations, à court terme, on doit se focaliser sur l'aide politique dont nous venons de parler. Et une leçon importante qu'on peut apprendre de la situation argentinienne, c'est que plus les plus pauvres sont employés dans le secteur informel, je pense que c'est la même situation en Éthiopie et dans d'autres pays. Donc l'informalité reste un problème et les décideurs doivent en s'en tenir compte dans le contexte les mesures de soulagement pour tenir compte de l'informalité. Et cela devient très pertinent. Le débat sur le développement de la politique en tenant compte de l'informalité, cela reste un défi. Alors, la politique du marché du travail, il y a un rôle important dans le secteur d'emploi. Et on a jeté, mais c'est vraiment un point très important. En tenant compte, et je pense aussi que les gens ont parlé de cela, en tenant compte que la majorité des jeunes n'ont pas de qualification et travaillent dans des emplois qui sont difficiles à identifier et pour y appliquer des politiques. Nous avons besoin d'une approche politique en tenant compte de la situation économique, sociale et du travail. Et autre défi principal, c'est la question comment on peut adapter les gens à la transformation de la place de travail. Comme on voit dans l'ère post-COVID et depuis la crise, on peut changer notre approche au travail. On a un défi et nous avons eu des commentaires de la part de mes collègues. Et le rôle et l'utilisation d'informations est très important. Toute information qui montre les différents secteurs. Et donc, il faut accepter l'idée donc, de ces défis. Il faut rechercher les résultats. Et tout cela reste un défi. Et comment on va canaliser les informations. Vous savez, pour avoir les informations, il faut les avoir en temps voulu. Vous avez besoin des informations en temps voulu, comme je dis. Et aussi, il faut faire un effort pour avoir les informations et avec les données. Comme Lucas a dit, on a parlé de la question de l'inclusion des groupes sociaux. Et je vais aussi parler du dernier point, autre des défis. Et peut-être cela est lié à l'inclusion financière. En Argentine, c'est vraiment un point très important pour la réduction de la pauvreté. Et dans l'étude, on a passé beaucoup de temps sur cette question. Donc, la politique, on aura besoin d'une politique pour aider les foyers à pouvoir recevoir de l'aide et aussi pouvoir mieux partager les ressources ou peut-être inventer de nouvelles façons d'adresser la crise actuelle et des crises de l'avenir. Il y a beaucoup, beaucoup de défis. Il faudra peut-être avoir le temps d'y penser avant de pouvoir donner des conseils, des politiques, comment résoudre ces défis. Merci beaucoup, Jorge. Habib a essayé de dire
de ne pas prendre trop de temps. Oui, je vais être bref. En fait, la crise doit être considérée comme une opportunité de mon point de vue, dans laquelle le gouvernement en Afrique devrait penser à mettre en application des réformes qui sont déjà en retard. On sait qui est en utilisant de la technologie. La raison pour cela étant que l'Afrique semble avoir le problème de planifier pour le long terme, mais la plupart des pays ont passé par beaucoup de chocs lors de la période de COVID. Et il y a eu des instabilités fiscales, des chocs du climat, des chocs de prix. Et donc, je me dirais que le point de vue qu'on pourrait avoir, c'est que les pays africains doivent avoir. Doivent adopter une façon de gestion économique pour gérer l'économie politique de façon à ce que les pays émergent plus puissants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Merci beaucoup pour, à vous quatre pour ces contributions. C'était vraiment très intéressant. Et je vais lire à trois questions qui ont été posées et vous pourrez décider à laquelle vous allez essayer de répondre. De Charline, je voudrais demander si les chercheurs pensent que nous pouvons combiner les ressources d'urgence à court terme avec le plan de recouvrement à long terme. Est-ce qu'il y a des avantages, des désavantages quand nous essayons de combiner le court terme et le long terme? Deuxième question, c'est de Leclin Harar. Et qu'en est-il du critère du ciblage? Comment est-ce que nous devons cibler les populations les plus impactées ou ceux qui étaient pauvres initialement? Et je pense que nous traitons d'une question politique de choix. Est-ce que nous devons cibler les producteurs ou la population impactée? Et les règlements de la COVID, il y a beaucoup de questions. Qu'avons-nous appris de ce qui est de la COVID? Est-ce que cela peut nous aider à confronter la pandémie à laquelle nous pourrions être confrontés dans l'avenir? Et la dernière question, du point de vue de l'économie politique, en partageant votre propre expérience, est-ce que vous avez trouvé des alliés ou des ennemis dans les ONG, les journalistes, les lobbyistes politiciens qui minait les ratios des politiques au-delà d'un certain nombre d'aspects politiques et de prendre davantage la dynamique politique derrière ces problèmes-là? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait essayer de proposer une réponse à une ou l'autre de ces trois questions? Je vais essayer de répondre à la dernière. Allez-y, Abébé. J'allais parler de la gestion des crises et comment le service, le système au Kenya. J'étais touchée par un certain nombre de questions et comment on a traité, on a répondu au problème. On a demandé aux foyers le niveau d'anxiété, de stress et leur expérience pendant cette crise. Et alors, quand on a assuré la coordination avec la confiance que ces foyers ont dans le gouvernement, c'était vraiment merveilleux que les gens qui croyaient qu'on ne pouvait pas faire confiance au gouvernement avaient un avantage, étaient à un niveau d'anxiété et de stress plus élevé. Et aussi dans les régions où il y a une haute concentration de telles personnes, il y avait des rapports de violence et d'activités criminelles dans ces régions-là. Et donc, quand vous essayez de voir la vision plus large, je pense que le rapport entre le gouvernement et le public devient un moment clé pour combattre cette crise. Quand on essaie de voir la question, par exemple, du vaccin, les taux d'adoption du vaccin,
Il y a tellement d'incertitudes dans beaucoup de pays en Afrique, et même quand le vaccin est disponible. Et beaucoup de gens ne font pas confiance au gouvernement, et je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, sur lequel on doit réfléchir. Merci à Bébé, c'est très bien. Merci beaucoup, je crois que je vais essayer de mettre en exergue, peut-être pas répondre, mais mettre en exergue la question qui a été posée par Aral. Oui, il disait que est-ce que nous devons cibler les pauvres ou les plus impactés? C'est une question très intéressante et c'est vraiment un donnant-donnant auquel nous sommes confrontés souvent. Et jusqu'à maintenant, ce que je vois dans les politiques de protection sociale en Afrique, c'est que ces politiques-là, c'est cibler les pauvres. Et après, ils disent que les pauvres vont être les plus impactés. Et donc, c'est un argument que je vois ressortir assez fréquemment. Mais ce n'est pas un argument complet, à mon avis. Et surtout dans le contexte d'une pandémie telle que la COVID-19, dans laquelle l'impact a été différent suivant le secteur et à travers différentes populations. Donc, imaginez pendant une minute qu'il y a eu des secteurs qui ont été vraiment très souples et d'autres ont été très vulnérables par rapport à la pandémie. Et après avoir dit cela justifie le besoin de cibler, de savoir qui a été impacté par la pandémie. Mais cela est accompagné par un défi. La question est de savoir est-ce que vous avez les instruments pour savoir qui a été impacté. Et donc, la façon la plus facile dont nous y sommes appris, c'est qu'il est plus facile d'identifier qui est pauvre plutôt que de répondre à la question de la personne ou des personnes qui ont été les plus impactées. Mais dans une situation idéale dans laquelle les gouvernements peuvent avoir des données de haute fréquence ou administrative pour savoir qui a été le plus impacté, je pense qu'il existe un besoin de faire attention à cela. Mais je me dis que le débat continue, bien sûr, et ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre oui ou non. J'ai bien apprécié cette question, voilà tout ce que j'aurais à dire là-dessus. Très intéressant. Alors permettez-moi d'utiliser mon autorité pour demander à Jorge de l'Argentine et de parler du court terme et du long terme. Je viens de l'Argentine aussi. Et il me semble que c'est vraiment une dimension fondamentale de la fabrication de politique. Donc, Jorge, est-ce que vous pouvez parler des avantages, des désavantages et comment on peut répondre à la demande à court à terme et avoir des problèmes, les problèmes fiscaux, l'inflation, ainsi de suite, dans le cas de l'Argentine, par exemple. Oui, bien sûr, et merci beaucoup. Dans le cas de l'Argentine, cela est pertinent parce que quand vous êtes confronté à une crise, comme la crise de la COVID-19, vous devez, la théorie, on sait qu'il y a de l'Argentine, l'Argentine a confronté la COVID-19 avec une récession qui était là. Donc, l'Argentine n'avait pas accès au marché, il avait un haut niveau de dette, il n'y avait pas d'espace fiscal non plus. Et donc, le seul outil qui était là, c'est d'imprimer de l'argent. Et voilà, donc l'Argentine alors était confrontée à un problème très important parce qu'en même temps, le gouvernement avait besoin de répondre à la situation. Quand vous avez une crise comme la COVID-19, vous devez avoir de l'aide aux pauvres parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide. Et ici, en Argentine, ils ont décidé de résoudre le problème à court terme. Maintenant, en Argentine, après avoir mené les études, on a découvert qu'on a affaire à une inflation importante.
Je pense que théoriquement, vous avez cette possibilité d'échange. Je pense qu'on peut en parler lors d'une conversation, mais lorsqu'il s'agit d'adopter une politique, vous n'avez pas de choix que de résoudre le problème à court terme. Je pense qu'en Argentine, le gouvernement a opté pour des réponses aux demandes urgentes, mais maintenant, nous souffrons les conséquences des conséquences à long terme de la politique. Alors, la dernière question, ça vient de Aleni Tesfaye. Quelle a été l'influence sur votre étude des autres phénomènes comme les problèmes du criquet et autres? Malheureusement, en Éthiopie, il n'y a pas eu que le COVID qui a constitué un problème. Il y avait également le criquet, l'invasion des criquets dans la partie est et d'autres parties du pays. Donc, nous avons eu affaire à beaucoup de défis venant de différents coins. Notre étude a mis l'accent sur l'impact de la pandémie, mais bien évidemment, les conclusions consistait à dire qu'on doit adopter une attitude proactive, non seulement pour le COVID-19, mais toutes sortes de chocs. Donc, nos conclusions et nos recommandations peuvent être appliquées à toutes sortes de chocs, les chocs nationaux, il y a le changement climatique, il y a le changement technologique. Donc, il est important d'avoir à faire un système qui peut s'adapter et qui est suffisamment souple en ce qui concerne les chocs. En Éthiopie, il y a quelque temps, vous savez que l'Éthiopie a toujours le risque d'avoir des sécheresses. Nous avons affaire à la sécheresse une fois tous les 10 ans. Les sécheresses ont conduit à beaucoup plus de morts parce que de dates récentes, nous avons un système meilleur d'alerte précoce. Et je pense donc que quelque chose de similaire à des systèmes proactifs pour faire face à ces chocs, c'est une chose très importante. Merci Abiba, merci beaucoup, merci à l'organisateur, merci à tous ceux qui ont participé à ce débat. Je vais conclure en vous rappelant ce qu'il s'agit du premier d'une série de webinaires. Nous aurons un autre en décembre et un autre en janvier. Merci beaucoup. Au revoir et bonne soirée, bonne journée. Merci, merci beaucoup. Merci.